Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Si vous avez apprécié les trois derniers épisodes du Geekali 2022, vous allez apprécier aussi celui-ci parce que nous allons nous intéresser à Papangai Studio ainsi qu'au centre de formation Koan. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Préférés, que dire, donnez vie à nos rêves. Faites-moi encore une fois le salon Geekali à tonnerre d'applaudissements. Je suis ici. Eh bien, au Geekali 2022, et je suis en compagnie de Madame Bertil Olivia. Bonjour à tous, je m'appelle Bertil Olivia, je suis chargée de clientèle chez Koan, une application qui fait le lien entre les entreprises, les CFA et les candidats. Je travaille pour Koan depuis 5 mois maintenant, et j'ai même été recrutée sur l'application, donc n'hésitez pas et téléchargez Koan. C'est une application mobile, donc qui fait le lien entre les centres de formation, les écoles et les entreprises. C'est une nouvelle façon de recruter. D'après ce que j'ai compris, c'est une façon de recruter à la racine, parce que là, on ne va pas chercher les gens en fin de cycle d'études, mais au début, en fait, lorsqu'ils commencent leurs études, voilà. Voilà, c'est ça. En fait, un peu pour tout. Il y a pour l'alternance, les CDD, les CDI, si quelqu'un est en recherche d'emploi ou même en recherche de formation. D'accord. Et donc, j'imagine que pour pouvoir faire ça, ça concerne surtout les grands groupes, puisque pour pouvoir soutenir quelqu'un depuis le début de ses études jusqu'à la fin, il faut quand même avoir certaines dispositions quand on est une entreprise. Oui, effectivement, alors on travaille avec plusieurs grands groupes. Alors actuellement, on a une cinquantaine de clients, mais on travaille aussi principalement avec les centres de formation. J'imagine que en fait, vous formez les entreprises à recruter les gens à la racine, c'est ça? C'est ça, voilà, oui. Donc, on les forme sur Koan pour qu'ils puissent utiliser l'application. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle philosophie parce que là, on va chercher à l'origine de la formation, alors que d'habitude, c'était toujours en fin de cycle. Et d'où vient ce nouvel état d'esprit, en fait? Alors, en fait, mon patron, donc M. Réaucreux, a repéré en fait la difficulté de recruter des candidats comme cela, et surtout avec la nouvelle génération qui arrive, on va dire que tout est de plus en plus numérisé. Et du coup, il a senti le filon et il s'est lancé. Il a fait plusieurs séminaires aussi pour évaluer le marché. Et puis, il a eu l'idée et il s'est lancé. L'application, on l'a eu en 2013. L'idée est venue en 2013, mais on l'a lancé qu'en début d'année, 2022. Oui, parce que bien souvent, les entreprises, quand ils recrutent quelqu'un, ils leur demandent « Est-ce que vous avez telle disposition, telle formation ? Parce que pour tel poste, on a besoin de telle qualité. » Bien souvent, les gens qui sont recrutés, ils n'ont pas forcément toutes les qualités requises. Pour cocher toutes les cases, c'est la meilleure des solutions, c'est de former soi-même justement le nouvel élément de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est... Voilà. Non, mais c'est... J'imagine que c'est quelque chose qui va sûrement changer le monde de l'entreprise en profondeur, puisque là, on va avoir
des candidats qui auront toutes les qualités requises, puisque voilà, parce que par exemple, quand on veut être architecte, on va dans une école d'architecture et on fait des études de dessin, de géométrie, et aussi on voit un petit peu tous les nouveaux logiciels qui permettent de modéliser en 3D. Donc là, la profession, dans cette profession, on sait exactement quelles compétences on doit avoir. Mais par exemple, pour certains postes, on ne peut pas savoir. Bien souvent, c'est un peu la formation est un petit peu bouche-trou, quoi. C'est ça. Et puis nous, on se base vraiment aussi sur les soft skills, donc sur ce que la personne représente. Pas forcément sur ses compétences, mais si la personne est, par exemple, je sais pas, curieuse. Voilà, les défauts, les qualités. Soft skills, ça permet de construire quelque chose avec sa nouvelle formation, on va dire. Par exemple, si la personne est persévérante et patiente, on sait qu'elle pourra suivre telle formation qui correspondra à son profil psychologique. Exactement, c'est ça, oui. Ouais. On travaille avec le CNRS d'ailleurs, ouais. Donc qui nous fournit des tests, donc c'est quand même pas mal. Ah, avec le CNRS. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose de très costaud, quoi. Vous n'êtes pas seul dans le désert, il y a toute une constellation qui permet d'aider cette opération de formation des jeunes à la source. Voilà. C'est ça, oui. Je vous remercie. Merci à vous. Tout simplement, je suis un passionné. Aujourd'hui, moi, je fais partie de la génération Club Dorothée. Il y en a parmi vous ? Je vous présente, les gars. On était les premiers. Aujourd'hui, on a la chance. Hein, moi, j'ai bientôt 40 ans. On fait partie de la génération Club Do, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, cette génération ont des enfants entre 5 et 20 ans qui consomment aussi du manga. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'on peut créer un lien parent-enfant que nous, on n'a pas connu avec nos parents. Vous voyez ? Je sais que ceux qui ont mon âge voient très bien ce que je veux dire. Et j'aimerais ajouter, nous, à notre époque, ce qu'on a connu avec nos parents, c'est plus la savate, la ceinture, le bâton, t'as vu ? Il n'y avait pas encore les lois sur on ne tape pas les enfants, il n'y avait pas de numéro vert. Exactement. Et notre seul moment échappatoire, c'était le club d'eau. C'était le mercredi après-midi, et ça, c'était tout simplement royal. Et ça envoyait du kamehameha dans la cour. Alors, Julie, pourquoi tu as choisi justement ce domaine, la statue en résine ? La statue en résine, c'est quoi ? Alors, je vais juste finir sur la génération. Donc aujourd'hui, moi, grâce à mes statues en résine et mes figurines, si je peux consolider ce lien parent-enfant, ben c'est avec plaisir que je le fais. Voilà. Alors, pour la résine, si vous allez sur le stand, vous verrez, c'est toute la partie où il y a des grosses pièces. La statue en résine, ça coûte beaucoup plus cher qu'une statue en PVC. Certes, mais vous avez une qualité qui est beaucoup plus importante. Les détails sont beaucoup plus importants. La seule inconvénient, c'est que c'est cassant, c'est très fragile. Faites tomber votre statue PVC par terre, ça va. Faites tomber une statue en résine par terre, vous récupérez que des morceaux. L'idée de la résine, c'est aussi que ça prend de la valeur, c'est-à-dire que du moment que vous l'avez acheté, c'est des éditions limitées, donc forcément, tout de suite derrière, dès que le stock est épuisé, ça va prendre de la valeur. Sur le stand, vous avez vu des pièces, si vous ne les avez pas achetées au moment où elles sont sorties en précommande, c'est mort, vous ne les retrouverez plus, il faudra les acheter à un particulier qui lui n'est pas couillon et il vous la vendra beaucoup plus cher que ce qu'elle coûtait à la base. Ok, il y a un gros marché là-dessus. C'est un peu comme les chaussures sneakers, pour ceux qui connaissent. On a même de la spéculation dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gars, déjà à la précommande, ils vont acheter un gros tas de statues directes et vous les revendre dès que le stock sera épuisé, beaucoup plus cher. Pour vous donner un exemple, vous avez des statues qui vont vous coûter 700 euros à l'achat. Ok, c'est cher. C'est un budget. Mais derrière, elles vont se revendre 1400, 1500 euros. Voilà. Alors, Judicaël, est-ce que tu peux nous parler, bien sûr, des projets qui sont en cours de réalisation ? Là, c'est du Rama. Oui, donc,
Les projets en cours, il y a plusieurs projets. Il y a Baki en projet. Pourquoi ? Parce que c'est un studio qui... Enfin, c'est une licence qui est connue par tout le monde, mais très peu exploitée. Et un peu, nous, l'idée, c'est un peu ça. C'est d'aller taper sur des licences que vous aimez, mais que vous ne retrouvez pas sur le marché. Parce que sur le marché, vous retrouvez toujours la même chose. Ça va être du Dragon Ball, du One Piece, du Naruto. Mais on va pas voir des licences comme Baki, Black Clover, GTO, etc. Et donc nous, l'idée, c'est de faire des statues, des figurines sur ce type de licence-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et justement, tu dis quoi ? Tu as besoin d'eux. Est-ce qu'on peut partir sur ce sujet qui est le financement un petit peu ? Parle-nous de ça, parle-nous un petit peu d'argent, parce que c'est vrai qu'on est devant, on se dit, bon, est-ce que ça rapporte ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut investir ? C'est quoi ? Alors, effectivement, concevoir des statues en résine, ça coûte des sous. Et nous, on a besoin de vous, effectivement, financièrement. C'est pour ça que j'ai ouvert une cagnotte. C'est pas une cagnotte Litchi, c'est une cagnotte Ocpal. L'avantage de la cagnotte Ocpal, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas de délai. Chacun donne ce qu'il veut. Et il n'y a pas de montant maximum à atteindre. Donc chacun donne ce qu'il veut, même 1 euro. C'est déjà bien. Et l'idée, c'est que moi, j'arrêterai la cagnotte quand j'estimerai avoir atteint le montant nécessaire. J'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode du Geekali 2022 à la Nordev. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.